Parce que dans l'histoire de la psychanalyse, il y a deux personnages qui dominent quand même, il y a deux piliers hein, de la voûte psychanalytique. C'est quand même Freud, Sigmund Freud et Jacques Lacan. Mais il y a un troisième personnage qui est sur le podium, indiscutablement, hein, dans le trio de tête, c'est Mélanie Klein. Elle est très au-dessus des autres. Hein. À côté de Freud et de Lacan, Mélanie Klein, c'est très au-dessus des autres. Très, très au-dessus. Parce que c'était un personnage extrêmement brillant, hein, qui a conceptualisé de manière très forte sur la psychanalyse des enfants, bien avant tout le monde, bien avant tout le monde, avec des idées extrêmement audacieuses, voire révolutionnaires par rapport à Sigmund Freud, qui d'ailleurs ne l'appréciait pas. Sigmund Freud a été un peu atterré par les concepts qu'a pu produire Mélanie Klein en son temps, parce qu'elle a complètement remis en cause la question de l'édit et de toutes les théories freudiennes sur, sur le moi. Et donc Freud en a été très irrité. Mais il n'a rien dit, parce que vous pouvez-vous qu'il dise, elle était libre. Et donc elle a eu cette rivalité constante, vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, cette rivalité constante avec Anna Freud, la fille de Freud, mais la conceptualisation, les concepts de Mélanie Klein sont très très au-dessus de ceux d'Anna Freud, ça n'a rien à voir, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Anna Freud, je vous l'ai déjà dit, j'ai employé ce terme déjà, mais c'est une dynamique intellectuelle plan-plan, hein. Alors que Mélanie Klein, c'est du costaud, hein, c'est du costaud. Alors en même temps, c'est difficile, hein, c'est difficile. Les concepts kleiniens sont vraiment complexes, hein, extrêmement tourmentés et insolites, parce qu'ils sont pas, on les attend pas, on les attend pas. On attend toujours quelque chose qui a une coloration freudienne. Ben, là non, ça n'y est pas, la coloration freudienne. La teinte freudienne, elle n'y est pas chez Mélanie Klein. Elle a été vraiment en révolution quasi copernicienne, hein, par rapport à Freud, et par rapport à Anna Freud, n'en parlons pas, mais par rapport à tous les autres, à Ferenczi, à Abraham, enfin tous les disciples de Freud, tous les vieux mammouths de la psychanalyse. Alors elle, Mélanie Klein, elle faisait partie de la deuxième génération, hein, des psychanalystes, pas de la première. Elle n'est pas de la génération de Freud, hein, faut pas confondre. Parce que Freud, il est né en 1856, Mélanie Klein, elle est née en 1882, donc c'est pas pareil. Elle est un peu plus contemporaine de Ferenczi et d'Abraham, puisque ces gens-là sont nés dans les années 1878, par là, donc ils sont assez proches. Mais elle n'est pas proche de Freud, ni du premier cercle de Freud, au niveau âge. Alors c'est une dame qui est née en Autriche, à Vienne, donc en 1882, alors d'un père et d'une mère juifs, tous les deux. Le père était médecin, son père était médecin généraliste. Il était décrit comme un homme un peu terne, ombrageux, pas facile. Et sa mère, qui s'appelait Libussa, était d'origine slovaque. Il était insupportable. Voilà. Mélanie Klein ne la supportait pas. Il y a eu un affrontement permanent entre Mélanie Klein et sa mère. Une guerre totale, qui s'est d'autant accentuée que il y a eu, le père est mort quand elle était assez jeune, son père, médecin, et donc elle s'est retrouvée face à sa mère, Libussa, ce qui pour elle a été très compliqué. Donc, elle avait trois frères et sœurs, ils étaient quatre dans sa fratrie, hein, chez Mélanie Klein. Donc il y avait Émilie, sa sœur Émilie, son frère Emmanuel, qui a un rôle important dans son histoire, hein, Emmanuel, sa sœur Sidonie, voilà. Donc elle est la plus jeune des quatre, Mélanie, c'est la plus jeune. Et donc elle a des tas de malheurs dans son enfance. Alors on sait que Mélanie Klein avait une personnalité dépressive, était une personnalité dépressive, hein, très profondément dépressive. Elle a été hospitalisée plusieurs fois, pas dans des hôpitaux psychiatriques, puisqu'il n'y en avait pas, mais dans des sanatoriums. À l'époque, on parlait de maladie de langueur, des choses comme ça, vous voyez, hein, maladie de langueur, de neurasthénie,
on a employé des termes un peu antiques comme ça pour parler de la dépression, mais elle en souffrait. Elle en souffrait, elle en a souffert toute sa vie, surtout qu'à la fin, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, elle s'est heurtée elle-même à sa fille. C'est-à-dire que ce qu'elle a joué comme conflit avec sa propre mère, Libussa, elle l'a rejoué avec Mélita, sa fille, ce conflit-là. Il y a une espèce d'héritage de tradition conflictuelle, de guerre, qui s'est transmise comme ça sur deux générations. Donc, dans les premiers temps, il y a eu sa sœur Sidonie, qui est morte à 8 ans, à l'âge de 8 ans, quand Mélanica était encore très jeune. Donc ça a été déjà, elle est morte de la tuberculose. À l'époque, la tuberculose, ça tuait, parce qu'il n'y avait pas de traitement, il n'y avait aucun traitement. Maintenant, quand vous avez la tuberculose, c'est une rigolade. Enfin, pas tout à fait, mais presque, quoi. Avec les antibiotiques, il y a une espèce de trithérapie antibiotique. Bon, ben voilà, ça se soigne relativement facilement. Mais à l'époque, bon, si vous aviez la tuberculose, vous étiez quasiment foutu. Enfin, il y en avait qui s'en sortaient, mais il y en avait beaucoup qui mouraient aussi. La tuberculose a énormément tué à cette époque-là. D'ailleurs, quand vous lisez les correspondances de Freud, il y a de très belles correspondances de Freud avec tout un tas de gens, notamment avec sa fille. Il y a une très belle correspondance avec Anna, parce qu'Anna était tout le temps en voyage, donc il correspondait. Et on voit que dans chaque lettre, il y a toujours un mot sur quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est malade. Je me fais beaucoup de soucis pour un tel ou une telle qui est malade, etc. Alors qu'il y avait la phtisie galopante, c'est-à-dire la tuberculose. Et donc, évidemment, ils étaient extrêmement menacés quand ils attrapaient ce genre de truc. Hein. À l'époque, ils étaient plus que menacés, même. Ils étaient un peu condamnés. Donc, Sidonie meurt. Après, c'est son père. Donc, je dis que son père meurt. Il est mort quand même assez tôt. Hein. Son père, il était encore jeune. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est retrouvé en face de sa mère, Libussa, qui était, a priori, un personnage assez odieux. Enfin, elle est décrite comme ça. Moi, je ne l'ai pas connue, hein. Libussa, mais elle n'était pas... connu pour ça, pour être agréable et facile, quoi. Et puis surtout, il y a eu la mort de son frère, Emmanuel. Ça a été très complexe pour elle, parce qu'Emmanuel était proche d'elle en âge, et ils avaient entre eux une relation qu'on a qualifiée d'incestueuse. Alors moi, je ne peux pas la qualifier, je ne sais pas quelle relation exacte ils ont eue, Emmanuel et Mélanie, mais bon, il est écrit dans l'historiographie, dans les biographies de Klein, à chaque fois on nous rappelle cela, qu'il y avait entre elle et Emmanuel une histoire de type incestueuse. Voilà. Et donc la mort de son frère Emmanuel a été pour elle un coup très très dur, très difficile à vivre. C'était en 1902. Alors son frère, il était malade, on dirait maintenant qu'il était bipolaire. À l'époque, on parlait de la maniaco-dépression, du syndrome maniaco-dépressif. Et puis, il était toxicomane. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est tombé malade, psychiatriquement parlant, il est devenu aussi héroïnomane, etc. Donc, il a sombré assez vite, il est mort. Voilà, et donc, alors pour Mélanie, alors elle a trouvé une parade à ça, si je puis dire. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée un an après, en 1903. Il est mort en 1902, son frère, et elle s'est mariée en 1903. Avec Arthur Klein, qui était un personnage assez fade, un peu comme son père. Oui, c'est étrange, hein, quand même, il y a des répétitions comme ça dans l'histoire des familles. Un personnage assez fade, et aussi, comme son père, un peu mal embouché. Enfin, sombre, quoi, terne et sombre. Voilà. Un ingénieur qui dirigeait une usine de papier. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été l'amour fou entre deux, j'en sais rien, enfin, bon, il n'était pas si séduisant, quoi, finalement, cet Arthur. Et ils ont divorcé 18 ou 19 ans après, donc ça n'a pas duré si très longtemps, finalement, quand même. Hein. Alors, ils ont eu, quand même, 3 enfants, et ça, il faut en parler, parce que c'est intéressant. Donc, il y a eu Mélita, qui est l'aînée, hein. Mélita, qui est née en 1904. Il y a un garçon qui s'appelle Hans, qui est né en 1907. Il y en a un autre qui s'appelle Erich, qui est né en 1914, donc au début de la guerre. Alors, cet Erich-là, il a un rôle étonnant, parce que, eh bien, Mélanie Klein, elle l'a pris en psychanalyse, son fils. Mais alors, comme elle ne voulait pas que ça se sache,
elle l'a nommé Fritz. Fritz, comme l'éléphant qui est empaillé du jardin de l'archevêché. Fritz. Et donc, Fritz, alors, elle avait des remarques, j'en ai noté quelques-unes, elle avait des remarques plutôt amusantes sur cette prise en charge, parce qu'elle disait aux gens qui l'entouraient, elle disait par rapport à cette psychanalyse, elle disait, oui, ses parents habitent mon voisinage immédiat. Hein, en parlant de son fils quand même. Hein. Ses parents habitent mon voisinage immédiat. Où elle disait, la mère suit toutes les recommandations. La mère suit bien toutes les recommandations que je lui fais. Et puis elle disait aussi, je peux exercer une grande influence sur son fils. Voilà, elle disait ça. Hein, pour planquer le fait qu'elle faisait une espèce de psychanalyse incestueuse, d'une certaine façon quand même, avec Fritz, qui n'était pas un éléphant, hein, lui c'était un enfant quand même. Mais enfin bon, ça n'a pas laissé une trace indélébile, la prise en charge de Fritz. Alors, la famille Klein, donc, Mélanie, son mari Arthur, et ses enfants, étaient installés en Hongrie. Parce que Arthur Klein, il était en Hongrie, voilà, il était ingénieur en Hongrie. Donc ils étaient en Hongrie, à Budapest. Et donc, à Budapest, dans les années 20, un peu après les années 20, au début, il y a eu ce qu'on appelle la terreur blanche. C'est-à-dire qu'il y a eu, d'abord, il y a eu une révolution d'ordre de type communiste, et ensuite, il y a eu une espèce de retour de manivelle de royalistes, loyalistes, qu'on dirait d'extrême droite maintenant, qui a fait régner une terreur blanche après la terreur rouge. Et donc, Mélanie Klein était juive, hein, et il ne faut pas l'oublier, et donc les juifs ont été assimilés par les gens qui menaient cette terreur blanche aux communistes. Ils ont dit, oh, les juifs finalement ce sont que des communistes, une espèce de raccourci comme ça, métonymique, stupide, mais bon. Et du coup, elle a été victime de l'antisémitisme avant l'antisémitisme nazi, qui est arrivé pas longtemps après. Et du coup, elle s'est barrée. Elle est partie, elle avait déjà divorcé. Elle est partie en 1925 en Angleterre. Hein. D'abord, elle s'est installée à Berlin pour fuir l'antisémitisme de la terreur blanche hongroise. Elle s'est d'abord installée à Berlin en 1921. Ce qui était une drôle d'idée, hein, comme choix d'endroit pour fuir l'antisémitisme. Mais bon, en 1921, elle ne pouvait pas le savoir comment ça allait tourner en Allemagne. Donc, elle a fui l'antisémitisme à Berlin, et donc elle est restée à Berlin pas tellement longtemps finalement, puisque en 1925, il y a Ernest Jones, vous savez, c'est ce personnage, je l'ai déjà parlé, qui était le grand Manitou, le grand patron de la psychanalyse internationale, administrativement parlant, et lui qui gérait tout, lui avait dit, mais viens donc en Angleterre, viens donc à Londres, tu y seras très bien. Ernest Jones, vous savez, c'est celui qui courtisait Anna Freud, hein, toute la journée. Et donc Freud lui disait, espèce de vieux dégoûtant, tu n'as pas honte à ton âge de tourner auprès de ma fille qui a 25 ans de moins, 30 ans de moins que toi. C'est honteux, tu es un vieux rusé, malfaisant. Il lui disait des trucs comme ça. Hein. Et à ce pauvre Ernest Jones, qui était authentiquement amoureux d'Anna. Hein. Il l'a prouvé parce que à la fin de sa vie, Ernest Jones, c'est-à-dire 30 ans après qu'il se soit déclaré, eh ben, il était toujours amoureux d'elle. Et il le disait, j'aime toujours Anna. Donc en fait, il y avait la vérité dans sa promesse d'amour pour Anna, mais évidemment Freud ne voyait pas comme ça les choses. Donc elle s'est installée à Londres, bien avant tout le monde, parce qu'après tous les psychanalystes freudiens viennois sont arrivés à Londres, hein, bien sûr, quand ils ont fui alors le nazisme, là, l'antisémitisme nazi. Ils sont tous arrivés à Londres, mais dans les années 30, même après, 35. 38 pour les Freud, oui, c'est beaucoup bien après. Donc elle est arrivée là, et donc elle avait une espèce de tranquillité quand même, à être un peu, pas seule, mais un peu sans concurrence, si vous voulez, pendant très longtemps. Il y avait des psychanalystes anglais, hein, dont un qui s'appelait Glover, qui a été un personnage voilà, qui l'a suivi pendant longtemps, qui a été son psychanalyste, et qui l'a défendu contre vents et marées, parce qu'elle a été beaucoup attaquée. Hein. Et donc, elle a pu donc, travailler, élaborer ses théories, ses concepts, dans la tranquillité de la Grande-Bretagne, au sein de la BPS,
c'est-à-dire la British Psychoanalytic Society, voilà, dont elle a fait partie très rapidement. Elle a été intégrée très rapidement à cette société psychanalytique anglaise. Donc Glover faisait partie, Ernest Jones et tout ça, il y avait tous ces gens-là qui étaient là déjà. Et puis plus tard, ben les Viennois sont arrivés, les psychanalystes viennois, et elle a carrément qualifié ça, Mélanie Klein, de désastre. Disaster. C'est le terme qu'elle a employé. Hein. C'est quand même curieux, hein, parce que c'était quand même des psychanalystes comme elle qui arrivaient. Et des gens qui arrivaient finalement des mêmes pays qu'elle, grosso modo, des mêmes contrées européennes, de l'Est. Et donc, et pourtant, elle a dit c'est un désastre. Un désastre. Je ne sais pas pourquoi, c'est curieux. Ce n'était pas une histoire de concurrence seulement, parce que finalement, elle ne craignait pas tellement la concurrence. Elle a rencontré Freud très tôt, hein. Quand elle était très jeune, elle traînait déjà. Il y avait eu un congrès justement à Budapest, vous voyez. Bien avant qu'elle aille en Angleterre, il y a eu le congrès international de la Psychoanalytic Association, c'était tenu à Budapest. Et Freud y était. Donc elle n'était pas connue du tout, personne ne la connaissait, mais elle avait assisté à ce congrès, elle avait vu Freud et elle avait été complètement estomaquée par Freud, par le discours de Freud. Ça l'avait vraiment chamboulée totalement. Et du coup, elle s'était dit, moi je veux aussi être psychanalyste et je veux produire mes idées et mes concepts. Ce qu'elle a fait. Et donc plus tard, dans un autre congrès à Innsbruck, plus tardif, elle a rencontré Freud à plusieurs reprises. Alors, bon, ils ont eu des relations difficiles, je vous l'ai dit, hein, parce que Freud, qu'on remette en question, par exemple, le problème de l'Édipe, ça lui plaisait pas trop. Qu'on remette en question la question du moi comme apparaissant tardivement, c'est le sujet, et non pas dans la toute petite enfance, ça lui plaisait pas à Freud. Bon, il y avait tout un tas de choses comme ça qui ont complexifié, si vous voulez, leur relation. Mais elle avait aucune espèce de gêne. Elle avait en même temps, si vous voulez, une espèce de déférence vis-à-vis de Freud, que tout le monde avait un peu à cette époque-là. Hein. Et en même temps, elle s'en foutait complètement de produire des trucs qui pouvaient que l'agacer, quoi. Hein, et qui renversaient complètement. Elle a renversé complètement la doctrine freudienne, il faut dire. C'était une révolution copernicienne en regard de la doctrine freudienne. Hein. Donc c'était pas rien, quand même, hein, comme histoire. C'est pour ça qu'elle a une place quand même tout à fait à part. Hein. Parce que Anna Freud, c'est des petits livres à dessiner un petit peu, quoi. Hein. Pas beaucoup plus pour moi. Et puis il y en avait d'autres. Il y a eu des gens importants, bon, comme Donald Winnicott, etc. Et beaucoup d'autres. Mais de la stature de Mélanie Klein, non. Avec une conceptualisation aussi novatrice, aussi forte. Et surtout, créatrice, inventeur, inventrice, on dirait peut-être, de la psychanalyse des enfants. La psychanalyse des enfants, c'est Mélanie Klein. Avant, ça n'existait pas. Avant elle. Ça ne se faisait pas. Freud ne le faisait pas. Freud a eu dans ses patients des gens jeunes, encore que, on parle de Hans, vous savez, le petit Hans, dont on dit qu'il était en analyse avec Freud, mais non. En fait, Freud ne le voyait pas, il voyait son père. Hein. Et c'est son père qui lui disait, ah oui, Hans a dit ceci, Hans a dit cela, il a fait ceci, il a fait cela. Alors Freud travaillait sur le discours du père. Donc Freud, il a eu aussi Dora, qui n'était pas très âgée, elle avait 15-16 ans, 14, 15, 16, je ne sais plus exactement, quand il l'a eu en thérapie psychanalytique. Mais ce n'était pas des tout-petits-enfants. Les tout-petits-enfants, il n'en avait pas. Et les autres non plus. Les autres psychanalystes de l'époque non plus. Donc c'est Mélanie Klein qui, la première, a pris des enfants tout-petits, dont le premier était son fils, donc Fritz. Il est nommé Fritz. Alors par la suite, il y en a eu un autre qui est devenu très célèbre. C'est celui qui s'appelle Dick. Dick. Celui-là, il est devenu célèbre. Ça, c'est le cas de Mélanie Klein qui est extrêmement connue. Alors, c'était qui cet enfant-là? C'était un enfant qui avait à peu près 4 ans, 4-5 ans, plutôt 4, et qui était le fils d'un des membres de la Psychoanalytic Association de Grande-Bretagne, d'anglaise. C'était un des fistons d'un de ses collègues, quoi. Voilà. Qu'elle a donc pris en charge. Et elle a été frappée dans cette prise en charge par le fait que cet enfant
produisait des symptômes qu'on n'avait pas vus avant, ou qu'on n'avait pas repérés. Ce n'était pas la première fois que ces symptômes-là existaient, évidemment, mais on ne les repérait pas. Parce que les enfants n'intéressaient pas tant que ça, dans le fond. On avait une fascination pour les hystériques, comme Freud, pour les hystériques adultes, comme Freud avait. On voit ça dans l'étude. Si vous lisez l'étude sur l'hystérie de Freud, vous voyez que Freud n'a que des jeunes filles hystériques, hystériformes, en soins. Il y a très peu d'hommes déjà, et puis la pathologie, c'est pratiquement toujours l'hystérie. Et donc là, Mélanie Klein prend en charge un enfant de 4 ans, qui produit donc des symptômes étranges. C'est un enfant qui ne joue pas, qui n'a pas d'objet, qui n'a pas d'investissement d'objet, qui ne parle pas, qui ne montre pas d'émotion particulière, il est neutre, une espèce de neutralité permanente. Il a une présence très, très, très pauvre. Voilà, il n'a pas d'attachement. Donc, évidemment, on dirait ça aujourd'hui d'un enfant, on dirait tout de suite que c'est un enfant autiste. Avec même cet amoncellement de symptômes, on dirait que c'est un enfant qui souffre d'un autisme canaire, carrément. C'est-à-dire l'autisme qu'en psychiatrie, on dénomme comme étant le plus grave. Parce que maintenant, on fait des classifications médicales complexes qui n'ont pas grand intérêt, mais enfin, on parle d'autisme atypique quand on ne veut pas parler d'autisme complet, quand des gens ont des traits autistiques, mais ne sont pas autistes au sens plein du terme, c'est pas coupé du monde, n'ont pas un trouble massif du contact et de la communication, on parle d'autisme atypique, mais quand c'est un autisme plein, on parle d'autisme de Caner. Voilà, c'est celui, Caner, c'était un psychiatre de l'ancien temps, qui avait inventé ce terme, créé ce terme. Voilà, observez ça. Et donc cet enfant, à la limite, on pouvait penser que peut-être il avait cette pathologie-là. Moi, j'en sais rien, je ne l'ai pas connu, Dick, mais bon. La manière dont il est décrit, en tout cas, ça peut faire penser à ça. Et ce qu'il y a de particulier dans la prise en charge de Dick par Mélanie Klein, c'est qu'elle n'a pas procédé comme tout le monde, si vous voulez. Elle ne l'a pas allongé sur un divan et puis elle n'a pas écouté silencieusement ce qu'il pouvait raconter. Non, elle était extraordinairement interventionniste, intrusive. C'est pour ça que Lacan l'avait qualifié de brute. C'est ce qu'il écrit dans le séminaire que l'on étudie cette année, justement dans le chapitre de la topique de l'imaginaire, chapitre 7, il parle de Mélanie Klein en disant « c'était une brute ». Il l'appelait également la tripière. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure il l'appelait la tripière. Vous comprenez pourquoi il l'appelait comme ça. Mais brute parce qu'elle faisait des interprétations brutales, carrées, sans nuance, des choses qui pourraient choquer aujourd'hui, un style de soins qui aujourd'hui pourrait choquer justement par sa brutalité. Parce que cet enfant là, Dick, elle ne parlait pas du tout, il ne jouait pas d'émotion, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des jeux, et elle a pris notamment comme jouet des petits trains qu'on peut faire avancer comme ça. Il n'y avait pas de train électrique, des trains à la main, on pouvait les faire avancer. Elle en a mis deux comme ça, l'un à côté de l'autre. Elle lui a dit, là tu vois, ça c'est le train Dick, donc son train à lui, enfant, et l'autre c'est le train papa. Voilà. Et donc, Dick a pris comme jouet, il a élu son train. Il l'a pris, il l'a fait rouler, et puis ça a buté dans quelque chose à un moment donné, et il était interrogatif, un peu perplexe, et donc Mélanie Klein lui a dit « gare, c'est la gare ». Et lui, l'enfant, il a dit « noir, il fait noir ». Et elle, là, elle a fait une interprétation massive. Tout de suite, comme ça, le but en blanc, elle lui a dit « La gare, c'est maman. Tu es dans maman. Le noir, c'est maman. Tu es dans le noir de maman. » Et l'enfant a réagi très violemment à cette interprétation intrusive. Et il est parti dans un coin, il est parti dans une espèce de sas où on ne pouvait plus le voir dans la pièce, etc. Dans le noir, justement.
dans une forme de colère, ou de, en tout cas, de dépit, de colère, de ce, tout ce qu'on veut. Et puis, ensuite, il a dit autre chose. Il a fait une espèce d'appel. C'est ce que Lacan note, hein. Lacan dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait fait un appel. Alors, Lacan, il dit quelque chose d'un peu méchant par rapport à Mélanie Klein, parce qu'il dit dans ce chapitre-là, il dit, oui, elle lui a fait cette interprétation, mais elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Il dit ça carrément. Hein. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Il ne critique pas l'interprétation. Hein. Mais il dit, d'une certaine façon, qu'elle la faisait de manière innocente, quoi. Hein. Ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Mais bon, ce n'est pas exact. Mais bon, il prend les choses un petit peu comme ça. Mais en même temps, il n'y a pas de mépris chez Lacan par rapport à Mélanie Klein. Au contraire, hein. Il avait Mélanie Klein en très haute estime. Très haute estime. Il avait bien repéré l'intelligence extraordinaire de cette femme, Jacques Lacan, et qu'il mettait au-dessus de tout le monde. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais ça ne l'empêchait pas de critiquer certaines choses, certains styles, quoi. Hein. Parce que Lacan se gardait un peu de faire des interprétations brutales comme ça. Il en faisait parfois, hein, quand même. Hein. Ça lui arrivait de faire des interprétations étranges, hein, qui surprenaient ses patients. Hein. Ses patients étaient pétrifiés. Ben là, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que cet enfant, à partir du moment où elle a fait cette interprétation, cet enfant a commencé à faire des appels. Ce qui, pour un autiste, était intéressant. Parce qu'avant, il n'appelait personne. Hein. Il n'avait aucune envie ou besoin ou désir de contact. Hein. Il n'appelait ni sa nurse, ni sa maman, ni Mélanie Klein, ni personne. Et là, il s'est mis à commencer à appeler nurse. Nurse. Après l'interprétation de Mélanie Klein, dans les séances qui ont suivi, à plusieurs reprises, elle appelait nurse. Alors Mélanie Klein était quand même contente parce que c'était un appel dirigé, quelque chose dirigé vers quelqu'un, vers un sujet vers un autre sujet. Donc c'était un progrès considérable quand même, hein. Même si c'est peu de choses comme ça apparemment. C'était un énorme progrès. Et par la suite, quand la nurse arrivait de fait, parce que Mélanie Klein lui répondait, mais tu sais, elle va venir, ta nurse. Et de fait, elle arrivait. Et quand elle arrivait, après cette interprétation, eh bien, Dick était content. Il était content, nurse, etc. Là, il la choyait. Et donc, il y a eu un progrès, il y a eu un déclic, en tout cas, hein, considérable, sismique, hein, qui s'est opéré à partir de cette interprétation qu'on qualifierait de sauvage maintenant. Mais qui n'était pas tant que ça, finalement, probablement. Qui était assez finaude, même extrêmement finaude, quoi. Alors, on dit de Dick que c'est devenu ensuite un homme parfaitement bien portant, etc., très communicant, voire bavard, même on disait de lui qu'il était bavard, qui parlait beaucoup, et qui a très bien réussi sa vie, etc. Alors, j'en sais rien, moi je connais pas bien l'histoire de Dick à l'âge adulte. Mais enfin, c'est ce qu'on dit de lui, en tout cas, par la suite. Donc elle aurait, je mets ça au conditionnel, elle aurait réussi son soin avec sa méthode. Freud disait toujours que la qualité première d'un psychanalyste, c'était le tact. Hein. Ben Mélanie Klein, le tact, elle n'en avait rien à foutre. Hein. Ça, c'est sûr que ce n'était pas son problème, le tact. Elle y allait franco. Quoi, hein. Elle a eu beaucoup d'enfants en psychanalyse. Hein. C'est important de le dire, ça, parce que on peut se demander comment est-ce qu'elle a pu construire sa conceptualisation sur les enfants. Eh bien, c'est en observant des enfants. Elle en a observé des centaines, hein, qu'elle a eu en soin, avec une finesse extrême, un regard extrêmement aigu. Et donc, elle en a tiré des enseignements conceptuels majeurs, que les autres n'ont pas pu faire. Hein. Parce que Anna Freud donnait aussi dans la psychothérapie des enfants. Mais bon, l'étage très en dessous, hein, indiscutablement, hein, c'était pas du même niveau. Donc, à la fin de sa vie... Alors oui, je vous avais dit qu'elle a eu des soucis parce que sa fille Mélita, sa fille aînée, donc Mélita, est devenue médecin et psychanalyste. Et une espèce de guerre s'est instaurée entre Mélita et sa mère, et Mélanie Klein. Tout le temps. Hein, de la petite enfance de Mélita jusqu'à la mort de Mélanie Klein en 1960... Elle est morte d'un cancer, hein, du côlon. Eh bien, il y a eu une guerre totale entre... Elle ne se voyait même pas, hein, elle ne pouvait même pas se voir. Hein, c'était une confrontation sanglante, je crois, d'une certaine façon. Ouais.
une atmosphère étouffante, intenable, entre ces deux personnages. Et donc, ça a plongé, Mélanie Klein dans beaucoup de tristesse. Hein, ça, c'est vrai, cette confrontation avec sa fille, qui rejouait un peu la confrontation qu'elle avait eue avec sa propre mère, hein, Libussa, bien longtemps avant, très longtemps avant. Voilà, donc elle est morte en Angleterre. Après une vie quand même très réussie. Hein, donc elle a produit des œuvres. Ses œuvres les plus importantes sont là, un livre qui s'appelle la psychanalyse des enfants, que vous trouvez aux presses universitaires de France. Peut-être qu'on le trouve en poche, j'en sais rien. Moi, j'ai la version du PUF. Après, peut-être qu'on le trouve en poche, je ne sais pas. Et puis alors, l'autre œuvre majeure de Mélanie Klein, c'est ça. C'est Essai de psychanalyse. Ça, c'est l'œuvre majeure de Mélanie Klein. C'est un beau livre, hein, il est joli, au niveau du graphisme. Et donc ça, c'est chez Payot Rivage. Chez Payot Rivage. Et si je l'ai pris aujourd'hui, c'est pas pour vous montrer le bouquin uniquement, parce que ça aurait été quand même un peu inintéressant, mais c'est parce que dans ce bouquin, il y a la psychanalyse de Dick, dont je viens de vous parler. C'est là-dedans qu'elle se trouve. Je vais vous en lire un tout petit extrait, le petit extrait du train, justement. Je vais vous lire un petit extrait du train, comme ça vous aurez vraiment le texte de Mélanie Klein. Hein. C'est son texte à elle, là, c'est pas moi. Hein. Donc, c'est page 270 hein, de l'essai de psychanalyse. Et ça s'appelle, c'est un chapitre qui s'appelle « Dans le développement du moi ». Alors, elle dit ceci, Mélanie Klein, elle dit « Je pris un grand train, alors elle est avec Dick, hein. Je pris un grand train que je plaçais à côté d'un train plus petit, et je les désignais sous les noms de train papa et de train Dick. Il prit là-dessus le train que j'avais appelé Dick, le fit rouler jusqu'à la fenêtre et dit gare. C'est lui qui dit gare, hein, c'est pas elle. Je lui expliquais que la gare, c'est maman. Dick entre dans maman. Il lâcha le train, courut se mettre entre la porte intérieure et la porte extérieure de la pièce, s'enferma en disant noir, et ressortit aussitôt en courant. Il répéta plusieurs fois ce manège. Je lui expliquais qu'il fait noir dans maman. Dick est dans le noir de maman. Ah, il faut y aller quand même hein, pour sortir des trucs comme ça, un enfant autiste. Entre-temps, il avait repris le train, mais très vite, il courut de nouveau se mettre entre les deux portes, dans le sas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Il répéta, pendant le temps que je lui disais qu'il entrait dans le noir de maman, il répéta deux fois d'un ton interrogateur, nurse. Je lui répondis, nurse va venir bientôt. Il répéta cette phrase et la retint. Plus tard, il utilisa ces mots de nouveau, les prononçant tout à fait correctement. La deuxième fois qu'il vint, il se conduisit de la même manière, mais cette fois, il sortit de la pièce en courant et passa dans l'antichambre qui était fort sombre. Il transporta le train Dick et voulut absolument l'y laisser. Il répétait sans cesse « Nurse va venir ». Donc il y avait c'est ça l'appel dont parle Lacan, hein, dans le chapitre « Topique de l'imaginaire ». Pendant la troisième séance, il se comporta de la même manière, mais non content de courir se mettre dans l'antichambre et entre les deux portes, il se mit aussi derrière la commode. Là, il eut un accès d'angoisse et pour la première fois, il m'appela auprès de lui. Vous voyez, il m'appela auprès de lui. Ce qui est un progrès considérable dans le cas d'un enfant qu'on pourrait qualifier d'autisme, très probablement, à son âge de 4 ans. Vous voyez, donc, ça vous permet quand même de voir un petit peu là, dans ce texte kleinien hein, de Mélanie Klein, de voir un petit peu le style de son travail, sa manière de procéder, qui est effectivement, comme disait Lacan, brutal, quoi, quand même. Brutal, mais au sens plutôt noble, quand même, parce que futé, parce que finaux, quoi. Voilà, ça c'était une espèce de raccourci de l'histoire, de la biographie de Mélanie Klein. Hein. Alors, je vais maintenant essayer de vous faire un raccourci des théories de Mélanie Klein. Alors, c'est pas évident, hein, c'est casse-gueule hein, de faire un raccourci des théories kleiniennes qui sont considérables. Hein. Je dirais pas en quantité, mais. Si, en quantité, mais en qualité. C'est extrêmement difficile de les résumer. C'est un peu comme si, je vous disais, je vais vous résumer en une petite séance, là, maintenant, jusqu'à la fin de la séance, toute la théorie est lacanienne, quoi. Peut-être pas, enfin bon, peut-être pas la même dimension, mais c'est quand même colossal. Hein. Donc, je vais quand même le faire, parce que, on n'avait pas décidé de rester sur le cas de Mélanie Klein pendant très très longtemps, mais on ne pouvait pas non plus l'esquiver. Il aurait été vraiment très maladroit d'esquiver ce personnage qui est majeur. Quand même, il faut bien vous en rendre compte que si vous retenez trois personnes dans la psychanalyse, il y a Freud, Lacan et Mélanie Klein.
pour moi, c'est très net, et pour beaucoup de gens aussi. Donc, Mélanie Klein, elle a pas parlé de stade. La dernière fois, je vous ai dit, Mélanie Klein a aussi parlé de stade. Non, Mélanie Klein n'a pas parlé de stade, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Elle a parlé de position. De position. C'était pas la même chose. Il y a des gens qui confondent ça. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, Mélanie Klein, elle avait aussi ses stades à elle. Le stade schizoparanoïde, le stade dépressif, etc. Au travers du mécanisme de l'identification projective, je vais vous en parler, tout ça. Non, ce n'était pas des stades chez elle, c'était des positions. Des positions, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que c'était un contexte, si vous voulez, un contexte. Quelque chose qui durait. Et qui n'appelait pas forcément à une suite stratifiée, si vous voulez, à une espèce d'édification d'un immeuble avec une construction d'étage en étage, comme pourrait se construire le moi du sujet, hein, comme un architecte pourrait le faire, avec des étapes dans la construction. Non, non. C'est un contexte, c'est une espèce de constellation psychique qui se produit chez l'individu dans la toute petite enfance. Alors, c'était la première, Mélanie Klein, à parler de position schizoparanoïde, je vais vous dire ce que ça veut dire, hein, vous allez comprendre. Schizoparanoïde. Elle a parlé de cette position-là, c'était la première à parler de situation psychique singulière chez l'enfant tout petit. Parce que c'est même pas chez l'enfant de 4 ans, comme dit que. Elle évoque cette espèce de position schizoparanoïde, c'est l'enfant de 0 à 4 mois, de 0 à 6 mois pour être un peu plus large. Hein. Donc c'est vraiment très novateur. Personne n'avait écrit quoi que ce soit là-dessus avant elle, absolument personne. Freud n'a jamais écrit quoi que ce soit sur les enfants de 0 à 6 mois. Il disait simplement, Freud, ça se résumait à dire, oui, au début il y a le ça, c'est dit, ah. C'est-à-dire une espèce de bouillonnement pulsionnel, hein, une espèce de gargouille pulsionnelle d'où va émerger, on ne sait pas trop comment, la figure humaine. Mais ça n'allait pas plus loin chez Freud. Alors que chez Mélanie Klein, elle théorise très clairement, de manière très précise, horlogère, je dirais presque, hein, suisse, sur les enfants de 0 à 6 mois. C'est quand même étonnant. À partir de ses observations. Et elle dit, les enfants de 0 à 6 mois connaissent des positions, des espèces de statuts psychiques, si vous voulez, qui ne sont pas des stades, des statuts psychiques particuliers que l'on peut décrire, et qui peuvent évoluer vers une certaine normalité, voire vers la normalité tout court, ou vers des pathologies. Donc elle disait, il est bon de connaître cette normalité ou anormalité des premiers mois de l'existence de l'enfant pour comprendre ce qui se passe après. Et si on ne connaît pas ces premiers mois, on ne peut pas travailler ça. Donc vous pensez bien que ça ne plaisait pas du tout à Freud. Hein. Et elle disait, l'Édipe, ça n'a aucun intérêt. On n'en a rien à faire de l'Édipe. Voilà. Alors Freud était passablement irrité par ce genre de proposition. Hein. Et l'histoire de position, ça ne lui disait rien du tout. Rien qui vaille. À Freud. Alors que Lacan ne critique pas ça, du tout. Hein. Il ne critique pas. Il s'amuse un peu du personnage, mais avec respect, avec un très grand respect. Hein. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, là? Elle veut dire que l'enfant tout petit, si vous voulez, vit dans un monde environné d'objets, mais qu'il ne maîtrise pas. Hein. Et donc, c'est un espèce de monde hallucinatoire, kaléidoscopique, si vous voulez, dans la mesure où c'est, ça miroite dans tous les sens, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps, les objets changent de place, parfois un objet on le prend, parfois on le rejette, etc. Et donc, c'est un monde chaotique, un monde qu'on pourrait même qualifier de psychotique, si on était un peu, si on psychiatrise un peu, mais c'est ce que dit Mélanie Klein aussi, hein, c'est pas que moi. Et donc, cette position schizoparanoïde, elle est la première à apparaître dans la chronologie crénienne. C'est-à-dire que je ne sais même pas quand elle la date, mais elle dit c'est entre 0 et 4 mois que ça se passe, ce machin-là. Hein, cette histoire de position
schizoparanoïde. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'enfant tout petit, il a des angoisses. Ça, elle l'avait remarqué. Mais il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour remarquer que les enfants tout petits ont des angoisses. Si vous observez des bébés, vous voyez bien qu'à certains moments, ils sont sombres, les bébés. Hein, ils sont sombres, parfois coléreux, parfois on les voit apeurés, parfois on les voit tristes. Les bébés, vous savez, un peu affalés comme ça, qui ne pleurent plus, ou qui pleurent beaucoup. Il enfin, y a des états d'âme changeants, incessants, chez les tout petits, et que Mélanie Klein qualifiait de monde, un monde d'angoisse, très très prononcé. Et donc, l'enfant, alors c'est Mélanie Klein qui le dit, l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dire qu'il y a des bons objets et puis des mauvais objets. Donc, il va séparer, si vous voulez, le monde des objets en deux, les bons et les mauvais objets. On appelle ça le clivage, clivé. Vous connaissez ce terme, clivé? Ce n'est pas qu'un terme psychanalytique, hein. La psychanalyse l'a repris à son compte, mais ce n'est pas... Il y a un terme là qui est le clivage. L'enfant va cliver radicalement le monde des bons et le monde des mauvais objets. Voilà. Et donc, les bons objets. Alors, quel est par exemple un exemple de bon objet? Un exemple de bon objet, eh bien, c'est le sein maternel. C'est le sein maternel, le premier et presque exclusif bon objet de l'enfant, c'est le sein maternel. Et ce sein, qui est a priori un bon objet, il peut être aussi haï par l'enfant. Haï pourquoi? Parce qu'il est dans une forme de dépendance vis-à-vis de ce sein, d'addiction, de demande de gratification illimitée, comme disait Lacan, une demande de gratification illimitée par rapport à ce sein. Et donc, cette dépendance, cette aliénation peut être considérée comme une adoration du sein maternel, mais aussi comme une haine du sein maternel. Une espèce d'oscillation quand même un petit peu entre les deux. Hein. Et donc, ces objets-là, qu'est-ce qu'il va en faire? De ces objets bons et mauvais, l'enfant, qu'est-ce qu'il va en faire? Il faut qu'il en fasse quelque chose, il ne peut pas se contenter de les considérer et de les regarder du haut de sa fenêtre, et donc d'enfant. Donc il va les projeter ou les introjecter. C'est ce que dit Mélanie Klein, hein, c'est pas moi. Il va les projeter ou les introjecter, c'est-à-dire qu'il va se les faire sien, ou alors les balancer à la figure d'une autre, et dans sa mère. Éventuellement dans sa mère, c'est quand même la personne qui l'a le plus facilement à sa main, et donc les objets qui lui plaisent pas, il peut les balancer à sa mère. Mais il peut aussi balancer des bons objets à l'autre, à sa mère. Il peut balancer aussi bien les bons que les mauvais. Alors, elle faisait un peu, elle était un peu Archimède, hein, Mélanie Klein. Parce qu'elle disait, mais si l'enfant se débarrasse exagérément de ses bons et de ses mauvais objets, à la fin, il finit par être vide, l'enfant. Il finit par être vide. Si vraiment il y a un excès de cette espèce de vidange des objets, un vide sidéral peut s'installer chez l'enfant qui lui fait perdre sa force, c'est ce qu'elle dit textuellement, hein, qui fait perdre sa force, et qui lamine son moi, si vous voulez, qui empêche la maturation de son moi. Voilà. S'il est dans un excès comme ça de projection de l'objet sur des objets extérieurs, dont sa mère. Voilà. Vous voyez, ça, c'est tout à fait la théorie kleinienne. Alors, ce mécanisme-là de projection des objets de manière un peu agressive sur une personne extérieure, elle nommait ça d'identification projective. Voilà le terme clé des théories kleiniennes. Identification projective. Il y a énormément de gens qui ne comprennent rien à ce que c'est. Hein. Il y a des tas de gens qui, Mélanie Klein, ils disent, oh, le clivage, on ne sait pas ce que ça veut dire.
l'administration collective, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça. Ben si, on sait ce que ça veut dire. C'est compliqué, bien sûr, mais enfin bon, c'est tout à fait accessible. Hein. L'identification collective, c'est que vous identifiez à la maman, par exemple, hein, vous êtes tout petit, vous avez 4 mois, et vous lui balancez une certaine forme de haine, certains objets qui vous sont intérieurs, des objets psychiques, hein, des objets de contentement ou de mécontentement, par exemple, hein, des représentations d'objets, et vous les balancez à la mère pour qu'elle les prenne sur elle, dans le fond, hein, qu'elle en prenne plein la gueule, mais qu'elle les prenne en elle pour en être débarrassée. Et bien ça, vous voyez, c'est pas si compliqué, c'est ça l'identification projective. Donc on a fait un terme totalement abscon, impénétrable, indéchiffrable, c'est pire que les hiéroglyphes de Champollion. Non, pas du tout. Hein. L'identification projective, c'est ça, tout bêtement. Hein. C'est la projection sur quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant parce que cette identification projective, eh ben, c'est vrai qu'on l'observe chez les enfants tout petits de quelques mois, mais on l'observe après chez les adultes aussi. On continue à la faire, nous, tout le temps. On fait tout le temps l'identification projective. Hein. C'est-à-dire qu'on projette comme sur un écran, l'écran étant l'autre, hein, eh bien on projette des choses qui nous ennuient. Hein. Des choses qui nous ennuient, on s'en débarrasse à bon compte, si je puis dire, pour ne plus être embarrassé par cela, par ce bagage. Hein. Donc c'est pas un stade, vous voyez, c'est pas un stade au sens où il y aurait l'identification projective à un moment donné de la vie, puis après il n'y aurait plus. Non. On continue à faire ça après tout le temps. Hein. Après, je vous parlais que l'enfant pouvait se vider de ses objets s'il fait trop de projections et pas assez d'introjections. S'il projette plus qu'il n'introjecte. Hein. Eh bien, c'est la dépression, le vide. C'est la dépression, c'est la source de la dépression. Hein. Donc les pathologies ultérieures, les pathologies de l'adulte, chez Mélanie Claire, on les retrouve dans les sources conceptuelles qu'elle nous propose là. Vous voyez, c'est pas anodin ce qu'elle raconte hein, quand même. Hein. C'est pas anodin parce qu'à peu près toutes les pathologies psychiatriques, dans le schéma clénien, des 6 premiers mois de la vie, on les retrouve. Hein, on les retrouve, dont la dépression, là, facile à identifier là-dedans. Mais vous pourriez en identifier encore un autre, hein, facilement, une autre pathologie. Parce que si l'enfant balance dans le clivage, s'il balance entre la question des bons et des mauvais objets, on pourrait dire que parfois il est dans des formes de contentement estatique, il est content, il est joyeux, il est jubilatoire, etc. Et à d'autres moments, face aux mauvais objets, il est triste, défait, hein, sombre. Et donc, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, à la bipolarité. À la bipolarité. Et là, c'est-à-dire à la maniaco-dépression. Et Mélanie Klein, elle en parlait déjà à ce moment-là. Donc c'est incroyable ce qu'elle a pu raconter. Hein, sur de prédicats comme ça stupéfiants de Mélanie Klein sur absolument toutes les pathologies qu'on peut nommer maintenant qu'elle avait déjà pressenti à son époque. Donc la maniaco-dépression, elle serait là hein, dans le balancier. Je mets MD pour maniaco-dépression, bipolaire, BP, voilà ici, parce que je ne veux pas trop surcharger non plus le schéma. Alors c'est un schéma, ce n'est qu'un schéma, c'est moi qui le fais comme ça, hein. Je ne l'ai pas trouvé dans un bouquin, ni sur une personne, ni ailleurs, je vous le fais comme ça, parce que ça me paraît assez simple comme ça, mais je vais reprendre la célèbre phrase de Freud, et que Lacan a repris aussi, il disait Freud, il ne faut pas confondre l'échafaudage avec le bâtiment, hein. Il ne faut pas confondre l'échafaudage avec le bâtiment, c'est-à-dire que ça c'est juste un échafaudage, hein. Donc une fois que vous aurez intégré un petit peu les concepts kleiniens, ben ce truc-là, il faudra l'effacer. De la même façon que Lacan disait, par rapport à son stade du miroir, quand il faisait tous ces schémas là, qu'on trouve dans les écrits, hein, vous savez, ces schémas entre I de A et I prime de A, etc., avec les réflexions dans le miroir, eh bien, il disait, lui aussi, il ne faut pas confondre l'échafaudage avec le bâtiment. Et donc, quand vous aurez compris le stade du miroir, il faudra bien que vous hâtez d'effacer tous ces croquis-là, parce que ça, c'est l'échafaudage. Et ce qui nous intéresse, c'est le bâtiment. Hein, c'est le fond de la pensée. Donc ça... Ce n'est qu'un échafaudage pour que vous aidez à fixer un peu des concepts fort complexes de Mélanie Klein, dont l'identification projective. Et là, je pense que vous l'avez comprise. Et elle dit aussi que l'enfant, dans le souhait de posséder le sein de sa mère, par exemple, hein, ce qui est le cas dans les premiers temps, peut se trouver dans une forme d'addiction, hein, d'addiction compulsive. Par rapport au désir qu'il a de posséder ce sein, de le maîtriser.
Et donc, elle dit, ça, c'est la source de toutes les pathologies obsessionnelles. Alors, on n'est pas sûr que ce soit vrai, ce qu'elle dit là. Mais pourquoi pas, hein? Les pathologies obsessionnelles, hein, je vais marquer là, pathologies obsessionnelles. Vous voyez qu'on a, on a déjà vu les psychoses dans, la, dans le vécu hallucinatoire des premiers temps de l'enfant. On a vu la dépression, on a vu la maniaco-dépression. Et maintenant, on voit les pathologies obsessionnelles qui apparaissent dans l'attachement compulsif à l'objet maternel de l'enfant dans les premiers temps. Moi, je fais un groupe de parole dans une crèche municipale depuis très longtemps, les crèches municipales de Tours, à la demande de la mairie. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Hein. Et donc, la dernière séance que j'ai faite, c'était la semaine dernière. Et justement, les personnes qui étaient là, les assistantes maternelles, les directrices, etc., m'ont proposé un cas, parce qu'elles me demandent mon avis, je leur donne mon avis, mais elles ont des avis très éclairés elles-mêmes, hein. Elles n'ont pas toujours besoin de mon avis, mais enfin je leur donne quand je peux. Et donc, elles m'ont proposé un cas justement d'un enfant de 6 mois ou quelque chose comme ça, qui demandait le sein de sa mère toutes les heures y compris la nuit, hein. C'est-à-dire en fait tout le temps, quoi. Tout le temps, quoi. Et donc la mère avait le sein très abîmé avec des abcès, des crevasses, etc. Et donc, mais les conseils qui lui étaient donnés par tout son environnement de la crèche et puis par son médecin, etc., d'arrêter cet allaitement, de passer au biberon, etc. Non. Et donc cette mère, si vous voulez, elle donnait à son enfant ce que Lacan appelait la gratification illimitée, hein. Elle lui proposait cela, c'est-à-dire pas de frustration, une gratification éternelle, sans limite, sans borne, sans frontière, totale, sans aucune intention d'arrêter quoi que ce soit. Alors évidemment, quand elles m'ont proposé ce cas-là, ça m'a immédiatement fait penser à Mélanie Klein, vous doutez bien, hein, et je leur ai un peu expliqué ces histoires de position dépressive, etc., et de ce qu'ils ont parlé, et je lui ai dit que probablement, et c'est ce qu'on va y arriver après, probablement que cet enfant, lorsqu'il va être obligé, parce qu'il y a un jour, ça va quand même, il ne va pas continuer jusqu'à ses 20 ans à têter sa mère. Hein. Donc le jour où ça va s'arrêter, il va certainement vivre quelque chose de très dépressif. Hein. C'est probable. J'ai pas fait, en disant ça, je n'ai pas fait une interprétation foudroyante. Hein, parce que n'importe qui peut y penser, quand même. Mais bon, je leur ai donné quand même cette indication pour qu'elle puisse dire à la maman, de manière diplomatique, avec tact, faites quand même attention parce que votre enfant, quand vous allez vous séparer, vous, peut-être ça va pas être trop compliqué pour vous, la maman, mais peut-être que pour votre enfant ça va être difficile, hein, quand il va arriver à 8, 9 mois ou 1 an, qu'il sera encore au sein, puis tout d'un coup ça va s'arrêter, ça va être compliqué et il pourrait sombrer dans une sorte de tristesse par rapport à cette perte-là, à ce deuil de la mère complète, inondante, totale, permanente, etc. Vous voyez, c'est donc, ça, vous voyez, dans les schémas de Mélanie Klein, on retrouve absolument tout le système psychopathologique qui nous concerne aujourd'hui. Alors, quand l'enfant ne peut pas continuer éternellement, si vous voulez, à cliver des objets entre bons et mauvais. Alors Mélanie Klein dit ceci, elle dit... Elle fait un peu d'arithmétique, si vous voulez, hein, de base, si vous voulez, elle fait un peu oui, c'est ça, de 2 et 2, 2 égale 2. Elle dit, si l'enfant arrive à avoir à peu près la même quantité de bons objets et de mauvais objets, ça va aller. Donc elle fait une espèce de balance de Robert Val, si vous voulez, une balance des épiciers d'autrefois. Elle place dans les plateaux ce qu'il faut de bon et ce qu'il faut de mauvais pour que ça s'équilibre, l'aiguille se mette au milieu. Elle dit, bah, si c'est comme ça, si l'enfant a... Ouais, grosso modo, un package, si vous voulez, de bons et de mauvais objets qui s'équilibrent à peu près, et bien ça va. Et bien ça va. C'est qu'il, après, il ira à peu près bien. Il ira à peu près bien. Par contre, s'il y a un déséquilibre, il aura une des pathologies qu'on a signalées là, hein, bien sûr. Il y aura une de ces pathologies-là. C'est multiples pathologies. Donc, ces bons et mauvais objets, il ne va pas pouvoir. Parce que ces bons et mauvais objets, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, à propos du stade du miroir, avant le stade du miroir, l'enfant ne distingue pas l'intérieur ni de l'extérieur de lui-même. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça à propos du stade du miroir. Hein. Et quand il dépasse le stade du miroir lacanien, eh bien l'enfant arrive enfin à distinguer l'intérieur de lui de l'extérieur de lui. C'est-à-dire qu'il peut voir l'autre.
mais avant, il ne voit pas. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est sur le sein de sa mère, quand il a 2 mois ou 3 mois, eh bien, il n'y a pas de différenciation entre lui et le sein et sa mère, si vous voulez. Il y a une espèce de continuum entre ces deux personnages, pour lui, hein, pour l'enfant. Pour la mère, peut-être un peu aussi, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a un continuum qui ne peut pas perdurer éternellement. Il faut bien, à un moment donné, que ça s'arrête, cette histoire-là. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'enfant va comprendre tout d'un coup que, eh bien, les bons et mauvais objets, c'est une unité, en fait. C'est une unité. Ça va se rassembler. Il y a une espèce de rassemblement. On fait une espèce de rangement, si vous voulez, quoi. Des bons et des mauvais objets en un objet unique. Voilà. On y arrive, hein. L'objet unique de Mélanie Klein. L'objet total. Elle appelle ça l'objet total, Mélanie. L'objet total. Il y a un moment, vers les 4, 5, 6 mois, je ne sais pas exactement à quel moment, là non plus, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas d'horloge qui sonne à un moment où ça se produit. Hein. Donc, il y a un moment où la mère apparaît, c'est éventuellement la mère, hein, apparaît comme un objet complet, total, détaché de l'enfant. Il n'est plus dans le prolongement, dans le continuum de l'enfant. Il n'est plus. Hein. Donc, il y a une espèce d'arrachement, là, de détachement, difficile, douloureux, et qui va amener quoi? Eh bien, à partir du moment où l'enfant prend conscience de l'objet total, il passe des objets partiels, bien mauvais, avec le clivage, il passe à l'objet total, et donc il va arriver à quoi? À la position dépressive. Voilà, la deuxième position, et dernière, hein, de Mélanie Klein. À la position dépressive, c'est-à-dire que ça va être un deuil. Ça va être un deuil pour l'enfant. Ça va être un deuil difficile à surmonter. Alors, si, comme le dit Mélanie Klein, l'enfant a un stock de bons et de mauvais objets qui s'équilibre à peu près au niveau du poids, bon poids, bon œil, eh bien, là, ça peut aller. Mais si c'est déséquilibré, ça va être beaucoup plus compliqué. S'il a beaucoup de mauvais objets introjectés, par exemple, eh bien, il pourrait sombrer dans une dépression plus profonde. Parce que cette position dépressive, elle est normale. Elle est normale. Tous les enfants passent par là. D'ailleurs, quand j'ai fait ce prédicat auprès des assistantes maternelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais pas grand clair. Hein. Je leur ai dit ça parce que Mélanie Klein l'a dit, parce qu'on l'observe, tout simplement. Hein. Et qu'elle-même, elle l'observait au travers du cas de cet enfant dont elles m'ont parlé. C'était frappant qu'elle m'ait parlé de ça au moment où moi j'étais en train d'étudier Mélanie Klein. Ça tombait plutôt bien, hein, quand même, hein, parce que c'était en plein dans le mille, quoi. Donc une position dépressive qui peut aller après jusqu'à la dépression si les choses ne sont pas équilibrées. Jusqu'à la dépression. Donc vous voyez qu'on part d'un monde schizophrénique, chaotique, hallucinatoire, des bons et des mauvais objets, une espèce de tourbillon atroce, pour arriver par le mécanisme de l'identification projective, vous voyez, ça c'est l'intermédiaire, à la position dépressive. Donc Mélanie Klein dit de cette position dépressive quelle est la position centrale, parce que c'est à partir de la position dépressive que l'enfant structure son moi. Hein, structure son moi. Mais bien avant, le moi freudien. Le moi freudien, il arrive des calendes grecques après. Hein. Donc vous voyez qu'il y a un grand écart, hein. il y a des différences conceptuelles considérables. Hein. Il y a une dichotomie, on peut dire ça, hein, une dichotomie conceptuelle colossale entre la théorie kleinienne et la théorie freudienne. Un grand coup de pied dans la fourmilière. Hein. Et personnellement, je serais beaucoup plus tenté par l'approche kleinienne. Pour avoir observé beaucoup d'enfants dans ma pratique médicale, par l'approche kleinienne de la position dépressive et schizoparanoïde, que par l'approche du ça freudien. Je n'ai aucun mépris pour le ça freudien, ça existe aussi, le ça pulsionnel, on ne va pas le remettre en question, ce n'est pas le problème. Mais le dérouler, si vous voulez, avec cette attention particulière, ce projecteur porté sur la toute petite enfance, c'est quand même extrêmement novateur et hardi, très hardi. Très culotté, très audacieux et très intelligent, très puté, quoi.
Elle dit, je terminerai là-dessus, elle dit, Mélanie Klein, que quand on va en thérapie, quand on va en psychothérapie, eh bien, on rejoue un petit peu cette espèce d'énorme scénario-là. Hein. Parce que moi, je vous en ai fait un échafaudage, comme ça, un peu simpliste, hein, un peu caricatural, mais il faut bien pour fixer les choses. Hein. Parce que si vous lisez Mélanie Klein dans le texte, bonjour, hein, vous allez vous amuser. Hein. Y a l'autre bouquin qui s'appelle « Les deux majeurs hein, », c'est ça, et « La psychanalyse des enfants hein, », du bouquin majeur. Dans le texte, c'est quand même pas facile. Donc, elle dit, oui, quand on est en psychothérapie, on rejoue ces positions-là, c'est-à-dire que les angoisses, il est indispensable, mais elle dit là, textuellement, hein, il est indispensable dans une thérapie que le patient, il faut carrément obliger le patient, si vous voulez, à reparler de ses angoisses de cet âge-là. Pas évident, hein, pas évident, hein, quand même, de faire ressortir des angoisses de 3 ou 4, 5 mois chez un adulte. Pas évident, mais elle dit, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'elle dit, c'est bien commode de vouloir que la personne aille mieux, qu'elle ait du travail, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit à peu près bien équilibrée, qu'elle soit stable, etc. etc. Hein? Elle dit, ça c'est ce qu'on fait quand on fait une thérapie un peu plan-plan, à la Anna Freud, si vous voulez quoi. Hein? Mais c'est pas, elle dit, c'est pas non, il faut aller dans des difficultés bien autres que cela, il faut retourner aux angoisses de départ, aux angoisses infantiles. Il faut les explorer. Et elle a introduit le terme, un terme anglais, d'insight. Je vous le signe, parce que c'est important quand même, insight. I-N-S-I-G-H-T. Le terme d'insight, pour dire que si l'on parvenait à faire en sorte que notre patient en psychothérapie psychanalytique avec nous, parle de ses tourments infantile des tout premiers mois, eh bien, il va falloir faire des interprétations un peu brutales comme elle l'a fait avec Dick, justement. L'insight, c'est une interprétation brutale. C'est faire prendre au sujet qui est en thérapie conscience, brutalement, d'un seul coup, qu'il a vécu des angoisses très particulières dans sa toute petite enfance. Il faut qu'il prenne conscience de ça et qu'il accepte ça. Elle dit ça. Elle dit sinon, le reste, ça ne sert à rien. Hein. Qu'il aille mieux, qu'il ait du travail, qu'il se marie, qu'il ait des enfants. Non, ça, on s'en fout. D'ailleurs, Lacan le disait à sa façon, ça aussi. Hein. Il disait à Lacan, la psychanalyse n'est pas au service des biens. Ça voulait dire la même chose. Hein. Quand il disait la psychanalyse n'est pas au service des biens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour en faire en sorte que les gens retrouvent une espèce de bonheur conjugal, par exemple. Non, c'est pas ça le propos de la psychanalyse. Hein. Donc c'est une autre chose. Et donc Mélanie Klein disait la même chose finalement. Elle était plutôt lacanienne quand même, hein, ou Lacan était plutôt kleinien, hein, peut-être, je sais pas, hein, les deux. Elle le dit carrément, hein, c'est pas travailler, aimer, être stable, etc. C'est elle qui dit ça. Hein. Voilà. Donc, alors. Et vous voyez aussi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme. L'enfant oscille dans la toute petite enfance entre les bons et les mauvais objets, eh bien, il y a quelque chose comme « je t'aime, moi non plus » ou « j'aime pas ». Donc ça évoque quoi? Ça évoque les prémices de la phase édipienne. Parce que la phase édipienne, c'est « j'aime maman, je n'aime pas papa » ou l'inverse, peu importe. Hein. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça, l'Édipe. Personnellement, au travers de ma modeste expérience, la période édipienne, c'est pas j'aime papa ou j'aime maman, les enfants ne parlent pas tellement de ça, peut-être en rêve ou en fantasme, c'est pas exclu, évidemment. C'est même certain qu'ils y pensent et qu'ils puissent vraiment en parler. Mais ils parlent surtout de l'autre. C'est ça dont parle. La période édipienne, c'est la confrontation, c'est l'altérité, c'est la confrontation à l'autre. C'est ça la période édipienne. C'est pas la guerre édipienne entre maman et papa de la mythologie édipienne. Hein. Enfin, pas pour moi, je vous donne mon point de vue, je veux dire, de ne pas avoir le même. Hein. Et donc, oui, alors cette oscillation-là, eh bien, c'est les prémices de l'Édipe. Vous voyez que donc, pour Mélanie Klein, si la période édipienne pouvait se dessiner, elle se dessinerait bien avant l'âge que Freud lui octroyait, c'est-à-dire à 5-6 ans. Parce que pour Freud, la période édipienne, c'était 5-6-7 ans. Et donc là, chez Mélanie Klein, ce n'est pas du tout cet âge-là. Hein. On voit déjà apparaître des sentiments alternatifs, hein,
hein, changeant, modulé, dès les premiers mois. Donc on n'est pas dans la même configuration du tout, du tout. Hein. C'est pour ça que les théories kleiniennes sont passionnantes et révèlent une véritable révolution copernicienne, quoi, par rapport à la... Dans, en tout cas, dans le cadre de la psychanalyse des enfants. Je ne parle pas systématiquement dans la psychanalyse des adultes, mais la psychanalyse des enfants, certainement, certainement. Hein. Parce que les autres, Donald Winnicott a eu des choses intéressantes aussi, mais c'était beaucoup plus classique. Hein. C'était beaucoup plus classique. Pas terre à terre, hein, non, non, mais quand même teinté d'un fort classicisme et encore très attaché au concept freudien. Voilà. Après, Françoise Dolto a amené des choses aussi très différentes. Hein, en disant l'enfant parle, l'enfant a des choses à dire. Parce qu'on n'écoutait pas les enfants hein, avant Mélanie Klein, avant Françoise Dolto. Enfin, Françoise Dolto n'est pas la même génération. Hein, elle est beaucoup plus jeune que. Elle était beaucoup plus jeune que Mélanie Klein. Mais dans le fond, finalement, c'était quand même relativement proche, hein, d'une certaine façon. Alors, ce schéma que je vous ai fait là, il y a une chose à faire avec, c'est de l'oublier. Je vous l'ai fait, c'est pour vous aider à soutenir un petit peu l'édifice klénien, qui est tellement complexe que si on ne fait pas ce genre de petit échafaudage, on a du mal à s'accrocher aux branches. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait ça aujourd'hui. Donc, c'était très raccourci, hein, mon approche de Mélanie Klein. Mais en même temps, j'ai tenté de ne pas trop la massacrer. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.